Tout de suite après, il fait nous recevoir lettre d'ampliation, lui, qui dit officiellement, il est premier ministre haïtien, Gary Koni Ipachita. Gary Koni Ipachita sous l'oreille, lui, monsieur rapidement, il est en monté, cabinet ministériel, lui, et il était connecté ensemble avec nous, mesdames, messieurs, dans l'émission, ça, ou il y a une possibilité pour commencer à connaître qui est ce monde qui constitue le cabinet du premier ministre haïtien, Gary Koni. Et qui est-ce qui chef cabinet Gary Koni? En pile causé pour le parler là. Gayon ancien ministre justice qui pour le faire partie de cabinet Gary Koni, qui est lié. Grande série de monde qui va entrer dans le gouvernement Ariel là. Ou bien, dans le gouvernement Gary Koni, nous supposons, mesdames, messieurs, qu'on sait de monde qui prend le fort plaisir, mais qu'on sait tout, qui est nous qui prend le cité là, ou prend le saisi, tant de yo. Qui ça n'est qu'on envie de faire ensemble avec nous? Puis, en espérance, fait qu'on est, la communauté internationale, les États-Unis d'Amérique, Gary Koni, avec toute l'autre entité, il n'y a pas de aucune influence sur le choix de Gary Koni. Monsieur prend moi-même ou même avec nous tout cap garder là comme un bon imbécile. Pierre Espérance, mesdames messieurs, qui gagne non cité quand tu fait d'elle mon chéri, tu es toujours abdi nous. Pierre Espérance, c'est chef ou gang, il y aurait les 4 par 4. On est la justice doit traquer. On est quitté de des 4 murailles, on est quitté doué après pour une question la justice. On est quitté de fermer des barreaux. Jodi là mesdames messieurs, nous sommes tentés de reparaître tête li. Moi-même, sincèrement, je fais déclaration ça, je dis, là, je dis ça. Depuis Pierre Espérance, il y a un monde qui a doute sur le monde, parce que Pierre Espérance n'est pas bon monde. Est-ce que Pierre Espérance, c'est pas montrer la montée, solidarité à Gary Koni? Moi-même, sincèrement, automatiquement, Pierre Espérance t'a montré, il s'est parti de Gary Koni, moi-même, rapidement, je tout passe, moi-même, je tout dis, bon, je ne face Gary Koni. Pierre Espérance n'est pas bon monde. Nous sommes capables de faire qu'on est les États-Unis, la communauté internationale, il n'y a pas aucune influence sur le choix de Gary Koni. J'aime ce cherche en pile. Pierre Espérance qui c'est un danger social. Et selon en pile monde, mesdames, messieurs, qui va si nous voulons régler dans le pays, Pierre Espérance pas doué en vie. Mais je dis là, il y a libre accès, la parler. Non, non, bon, mais dis non, non, Gary Koni. Nous sommes parlé dans nos blancs. C'est comme si, choix que t'as fait, yo, mesdames, messieurs. Monsieur était là. Monsieur connaît choix, yo. Monsieur connaît ça que t'as anticipé, yo. Gros causé, papa. Guy Philippe, monsieur, lui fait connaître s'il était là, Jovenel, pas t'as mouri. Rete. Philippe, il y a un épisode, monsieur, blié. Guy Philippe dit, s'il était là en Haïti, Jovenel pas t'a mouri. Mal faut attendre parti ça. Côté monsieur lui-même, lui fait qu'on est, lui baille assurance que lui-même, avec présence lui dans le pays, Jovenel t'a encore en vie. Et gros causé, papa, y a bagay qui plus passe autant des hommes. Laurent Cécile, qui c'est, un membre du conseil présidentiel là, qui c'est représentant le secteur privé des affaires, secteur mafia, Laurent Cécile, encore une fois, mesdames, messieurs, a été brillé par son absence. Lors de la cérémonie de la remise de la lettre d'ampliation au premier ministre haïtien Gary Koni, les autres membres du conseil présidentiel étaient là, sauf Laurent Cécile. Et jusqu'à date, pas de aucune explication qui dit, mais pour qui ça, Laurent Cécile, pourquoi rentrer en Haïti? Songez, Laurent Cécile t'a quitté pays, hein? La veille, jour t'as pas choisi Gary Koni, hein? C'est-à-dire, monsieur, pas de voter Gary Koni. À ne pas s'oublier, il est le représentant du secteur privé des affaires. Et pas oublier, les États-Unis avec secteur privé, ça, y'a un tas de café en main, y'a boué ensemble. Y'a pas gagné fort qu'on est. États-Unis avec secteur privé, y'a pas monté même cheval quand t'es ma palavra là. Laurent Cécile. Et c'est ça qui va montrer nous à clé, mesdames, messieurs, le choix de Gary Koni, il va choisir l'autre monde que international là. Vous parlez quoi? Eh ben, m'a connu qui le, ou va l'accepter quoi?
Nèg exam en République Dominicaine, yo encore une fois attaqué une autre banque. Lundi 3 juin 2024 là, nèg exam en cagoulé dans capitale en disant Santo Domingo bien Duarte, yo rentré dans une banque qui c'est Banco Popular en République Dominicaine côté yo té a gros am nan men yo, fè moun couché, fè pression sou moun, yo attaqué banque là. Donc faut nous dire mesdames messieurs, en moins de 15 jours, c'est déjà deux banques qui cambriolé en République Dominicaine. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a deux décennies de cela, pratique ça t'a gagné en République Dominicaine et c'était des policiers en uniforme. Très bien. Nèg ki nan machine la police. Écoutez, c'est pas des gens habillés en uniforme de la police, non? C'était des policiers qui ont rentré dans banque, qui ont détourné fourgon blindé. Mais actuellement là, nous dit banque commence à casser en République Dominicaine. Ça ne date pas d'hier, mesdames, messieurs, que de telles pratiques nous pas de joignons en République Dominicaine. Est-ce que nous avons dit qu'il y a un regard de situation? Nous ne connaissons pas, nous prêté, nous suivre pour vous. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous sommes contents d'entrer la caillou. Ça avec gros plaisir, nous entrer la caillou. Nous prenons causer, nous prenons parler, ou installer ou déjà, prêchez ou été bon côté maintenant là. Et là, pour être pas déplacé, pas à gauche, pas à droite. Automatiquement tomber là, mesdames, messieurs, dans bon bois. Vous connaissez ça déjà. C'est ça, nous qui entre la caillou. Esdras Fizeme, nous pral parler, nous pral informer, nous pral détailler tout point de saut annoncé là, yo. Timoso par Timoso, et c'est pour ça nous mandé, bien installé, ou à nous like là déjà, et bien, ok, fait le kounya là. Et puis, ou mettre commenter, pas inquiète, ou mettre like et commenter en bas vidéo, là. Et puis, pas oublier, pas capable partager nous, parce que c'est ensemble n'a fait travail là. Ou comprenez moi, une pote émission en bas, ou, et bien, ou même pote le bas, ou l'autre monde, partager, quittez un like. Yo commentaire. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs, pour savoir quand pile les autres. Restez là, oui. Nous pouvons le causer. Nous pouvons le parler. Nous pouvons savoir nous annoncer là. Nous pouvons le développer, yo. Mais, quittez-nous un petit temps pour nous respirer, pour nous désaltérer, nous. N'a pas retourné dans yon badji. De retour, mesdames, messieurs, merci de votre patience et de votre fidélité. Eh ben, ou qu'on est automatiquement tombé là, c'est parce que ou qu'on goubouchou et nous-mêmes, n'a toujours arrangé nous pour ne pas faire perdre du goubouchou. Ou qu'on est des fois, qui quand on va le manger, l'offre manger côté ça, quatre mains manger tellement pas bon, ou tout perdre du goubouchou. Donc, l'on arrive là, caillou, madame, ou qu'habitué, bon petit manger, bon petit bagaille dans bouchou, donc, ou vine blier goubouchou. Et c'est ça que nous toujours recommandé, rester là ensemble avec nous. Merci avec toute fanatique, toutes amis qui toujours étaient fidèles à Chanel ça. Merci avec tout le monde qui pas jamais hésité une seconde, qui toujours a cherché nous. Il y a des gens qui jusqu'à présent dit "Esdras Koto teye." Et ben nous là oui. Nous fait émission nous chaque jour. J'ontais qu'on est déjà, nous pas changé, nous toujours été même gens, même vibe là, même tonicité là. Nous pas le mettre pour yo. Gary Koni Monsieur monte cabinet ministériel li déjà. Monsieur pas vin pour blague. Songez, Gary Koni rentre en Haïti samedi 1er juin. Dimanche 2 juin, monsieur gete nan yon blindé. Monsieur a sillonné les rues de Port-au-Prince. Mais ou konn sa bèl? Et le Francelbe prend Gary Koni, la promène ensemble avec li, mené non sey de côté. Ou connaissez comme si n'a dit Francelbe al monte Gary Koni zèv li. C'est ça, oui. Fonzel, mais c'est réalisation, lui, là, le montre Gary Koni. Là, le dit Gary Koni, mon cher, en ton absence, voilà ce que j'ai réalisé pour le pays. Fonzel, mais dit Gary Koni, mais réalisation, pam, papa. Mais ça me fait pour le pays, ya. Pendant que tu me dis dans la tête la police, là, mais réalisation, mais ça me fait. Parce que, mesdames, messieurs, vous n'êtes pas sans savoir. Fonzel, mais. Monsieur c'est pire. Monsieur c'est pire mauvais directeur général police la connaît dans toute existence li. Francel B. Le plus nul. Monsieur a marché avec Gary Koni,
l'a montré Gary Conny mes réalisations, mes œuvres, mais ça le réaliser pour le pays. Toute zone qui crase, tout territoire qui perdu, yo. Tout espace qui livré aux bandits. Franselbe a montré Gary Conny. L'a dit Gary Conny, mon cher, mais ça me fait, oui. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas beau, mon premier ministre? Et c'est ça que faut, ouais, dans l'émission avant, me dire, plus gros service Gary Conny, car nous là, c'est retirer de champon ça là, dans le figure, moun. Mettre champon en dehors. Y a plus gros service, monsieur, car nous là. Ou est-ce que nèg yo bay pou Franselbe a nan tête section générale de la police là? Ou ça? Pas aucun monde, pas aucun haïtien qui doit gagner problème avec ça. Et nous tous doit entendre nous mesdames messieurs sous ça. Franselbe pas gagne aucun droit pour le ta continuer rester là comme directeur général de la police. Aucun. Quel que soit son influence. Et bien mesdames messieurs qui te nous dit ou Gary Conny monsieur déjà choisi moun kap directeur cabinet. Gros cause, y a mandé est-ce que j'ai une information ça yo? Mais il là. Information ça yo là. Monsieur relé Madeleine Fils-Aimé. Madeleine Fils-Aimé, c'est monsieur qui pral chef cabinet Gary Conny. Sauf catastrophe. Mais côté m'a parlé ensemble avec vous là mesdames messieurs, chef cabinet Gary Conny relé Madeleine Fils-Aimé. Et Madeleine Fils-Aimé, monsieur c'est actuel chef cabinet directrice ONA. Go cause n'a bon là. Est-ce qu'on comprend moins? Monsieur commencer travail. Monsieur commencer frapper. Monsieur commencer montrer dans quel niveau lui-même il pas venir jouer. Monsieur pas venir faire majorette. Ça fait nèg cap dit oui et pas blanc choisi Gary Conny. Ou pas qui marcher presser Gary Conny qui dans derrière là non? Ou pas qui marcher presser. Ou qui ça blandir. Blandir garder nous c'est quickly. Dégage au travail. Pas qu'une blague dans bagaille non. Gary Conny. Le choix idéal du blanc, mesdames messieurs, monsieur commence à frapper. Et nous disons, ancien ministre de la justice. Selon toute information nous là qui disponible, Camille Edouard Junior. Monsieur c'est pral secrétaire général de la primature. Monsieur c'est ancien ministre de justice. En passant, Camille Edouard Junior, monsieur t'a un mandat d'elle, oui. Est-ce que c'est pas en 2017? Le ça qui est-ce qui était commissaire du gouvernement, c'était Onam Klame Damayus. Nous sommes jeunes ça. Côté lui. Onam Klame Damayus, monsieur t'a metté un mandat d'arrêt. Monsieur t'a metté un mandat derrière Camille Edouard Junior pour détournement de biens publics. Mba kwè mandat sa te jamais exécuté non. Bon, me supposé gen moun ki pral râler ça quand même comme argument. Me peut-être premier moun ki râler comme argument, même supposé gen paquet moun ki pral râler parce que les archives sont là. C'était en 2017. Et pas oublier me dit qui est moun à cette époque qui était commissaire du gouvernement, mais c'est Onam Klame Damayus. Camille Edouard Junior te dit pas gen problème pour collaborer ensemble avec la justice. Mais peut-être c'est pas justice ça. Tenez bien, mesdames, messieurs. Mais que ça a toujours des conseils, ça y a dit nous. Nous songez, Jocelyne Privé dit, même radot là. Léo m'a dit, monsieur, faut la le présenter devant le juge. Faut la le dire, mais ça le connaît. Pour bien l'état, le gaspiller, le gagoté, monsieur dit, oui, m'baye, problème pour m'aller. Mais pas avec justice ça. On a quitté président pays, hein. Quitté qui comme prérogatif pour renforcer les institutions républicaines, oui. Monsieur dit, il pas fait justice qu'il a confiance. Alors que l'été gagné comme responsabilité, mesdames, messieurs, pour fortifier justice, que Jodi l'a dit, pas faire confiance. Pour cette raison, mesdames, messieurs, pour raison ça seulement, faut mettre monsieur dans prison. Faut mettre monsieur quoi pour raison ça, parce que ça montre que le président, il pas posé aucune action pour l'été aider l'institution à avancer. Madeleine Fils-Aimé, chef cabinet, Gary Conny, Camille Edouard Junior, côté ma parole ensemble avec vous là. Monsieur, madame, monsieur, c'est lui-même qui t'a doué, vin secrétaire général de la primature. Gen nou toujours kap cité. Le nom de Jean-Ernest Muscadet cité. Pi devant n'ap getan konnen nan ki poste. Non Muscadet cité. Yo cité non Muscadet très clair, mesdames, messieurs. Est-ce que Muscadet a entré Port-au-Prince?
Est-ce que Jean-Ernest Muscadet sera le nouveau directeur général de la police ou encore le nouveau chef du parquet de Port-au-Prince? Entre ces deux postes, c'est une nan yo, oui. Yo a envie by Muscadet. Mais pourquoi gagner qui officiel? Mais vous mettez posé, restez là, mesdames, messieurs. Ou qui doit ça? De pour là, ou qui doit avec toute information, yo. A pile causé. Gary Conny, il pas vine bourgeois. Nous sommes avancés. Ok? Nous sommes avancés. Mais, gon tipiment, gon bagay, m'envie attirer attention sous lit. Gon est nous-mêmes, mais pas zenre, mais nous en vie, ni nous prend. Camille Edouard Junior, c'est monsieur qui te fait arrêter Guy Philippe. C'est menti, dit menti. Kounya là, mesdames, messieurs. Est-ce que nous allons retourner avec même équipe ça? Bon. Je vais vous montrer un bagay. Ou aujourd'hui, là, vous avez dit que pas grand-chose qui dit, nous ne pouvons pas diriger nous tout droit vers ça, nous sommes capables de une vengeance. Tendez bien? Tendez bien et comprenez. Aujourd'hui, là, Gary Conny qui est au pouvoir, mesdames, messieurs. Pour moun kap di Gary Conny, c'est PHTK, si moun sa ou pas informé, moun sa ou pas connu. Gary Conny, pas PHTK. Et la présence de Gary Conny, il est capable de mettre fin au règne PHTK. Fini avec ça, me dit à moi-même. La présence de Gary Conny, mesdames, messieurs, est capable d'enterrer l'ambition de Joseph Michel Martelly de devenir le président d'Haïti. Comme cloche. Vous n'êtes pas d'accord, son doit gagner. La présence de Gary Conny comme étant premier ministre. Ça a retiré toute chose Joseph Michel Martelly. La présence de Gary Conny, mesdames, messieurs, a retiré toute chance le secteur privé des affaires qui était déjà arrangé là. Pour le pouvoir encore ensemble avec PHTK. Pas oublier, me dit, les États-Unis d'Amérique, ils ont tasse café en main, côté ma parle avec vous là, mesdames, messieurs, la boue ensemble avec PHTK. La communauté internationale, ils ont tasse café en main, la boue ensemble avec le secteur privé des affaires. La présence de Gary Conny peut mettre fin à cette règne. La présence de Gary Conny, mesdames, messieurs, est capable de mettre fin avec hégémonie PHTK depuis une décennie et plus. Quand les gens ont pris le pouvoir, ils ont dit qu'ils ont pouvoir pour 50 ans. Vous avez dit qu'on est mon frère. Quand il y a là, en songe, Guy Philippe, c'est PHTK. Aïe, aïe, aïe. Pas de comme ça, non? Guy Philippe, c'est PHTK. Kounya an comprend, même nek qui te fait arrêter Guy Philippe là, mais nek sa prend chef encore. Pendant ce temps, Guy Philippe annonce révolution pirède. A la traka papa, y'a cause pourtant de babo ici. Match après le réduit là. Et pas si match qui pral gagne là, zamam. C'est pas si match qui pral gagne. Guy Philippe, pendant lance révolution, nous choisissons de faire révolution là quand même. Yo met sauter, yo met pomper, yo met dit ça, yo veut révolution là pour un jour quand même. Et mais je dis là, tout le monde qui t'a traqué monsieur yo, c'est moun sa yo qui a retourné dans le pouvoir. Et même moun qui était dans la presse, parce que t'es un journaliste tout t'es comploté contre Guy Philippe, faut qu'on ça hein. T'es un journaliste qui était dans complot. Et moun sa encore pas le retourner dans média, en dire encore moun sa pas le retourner dans pouvoir yo. Est-ce que nous pensons que Guy Philippe a une bonne chance vrai pour le cas retourner là? Est-ce que nous pensons Guy Philippe, monsieur, pour avoir une possibilité pour mener une bataille Lydia? Mais en passant, qui te dit Guy Philippe, monsieur, dans le cadre d'une déclaration, le fait pendant que tu as parlé ensemble avec, et comment ça a eu encore, on monde qui sorti dans le sud, même côté ensemble avec lui, côté que tu as fait une interview, il y a une longue interview, monsieur dit, s'il était là, Jovenel Moïse, pas t'a mouru. Nous connaissons Guy Philippe Sénèque qui toujours montre lui-même, et li brave, etc., le kagoumé, le kadis, le kadat, et monsieur montre que comment t'as fait nos pays pour pile mercenaire ça au débarqué, etc. Comment Guy Philippe gèle blié? Guy Philippe gèle blié si le plan de l'assassinat de Jovenel Moïse va seulement venir des Haïtiens. Monsieur blié, complot qui fait pour assassiner Jovenel Moïse là, et va seul Haïtien qui était là-dedans. Monsieur blié parti ça, oui, amis. Je oublie à faire ça. Je pense que c'est si facile comme si pour le stopper plein. Là, c'est blanc qui a frappé, maman.
Ou que doit ouais bagaille ou kon bagaille ou pas anticiper sur lui. Mal faut attendre Guy Philippe. Mal faut attendre Guy ou un petit bout de bail dans Guy. Parce que Guy a ba nous fou là, il a pas comprendre. Mon désolé mon yo, mais comme si moi Guy a bon mon fou là là pour Guy a fait me comprendre. S'il était là et même bagaille et yo kon dire s'il était là et Jovenel Moïse va t'ap mouri. C'est quoi cette histoire? S'il était là. Hein? S'il était là, Jovenel pas t'ap mouri. Guy Philippe, bon, m'a envie de le perdre. Fait, m'a pensé, m'a connu combien il perdu. Est-ce qu'il n'a pas perdu toute branche là? Vous voyez, bois même? Guy Moun Gap même dit, monsieur perdu toute forêt à net. Si monsieur t'a capé, dit, s'il était là. Jovenel pas t'ap mouri. Nous, il a oublié. M'a fait entendre Guy Philippe. Et si m'a là, encore une fois, m'a dit, il va mourir. Mais l'autre dit, pas t'ap mouri. Dans quel monde nous avons quitté? Pour toutes les nègres qui sont rentrés dans le pays, toutes les missionnaires qui sont rentrés dans le pays, pour nous braquer. Dans quel monde nous avons fait le premier attentat complot sur le président en janvier, et puis on n'a pas fait jusqu'à ce qu'il soit assassiné en juillet. Non, ça va passer. Il y a quelqu'un qui assassiné le président, c'est des proches présidents. Il y a quelqu'un qui pense ça. Eh bien, tout est mort. Je marche avec moi, je dis Madame Martine Moïse. Je dis, le président parle, au moins il a assassiné. Et pour l'équipe, il y a assassiné. On t'a entendu ça? Avant de kidnapper, moi, dis-le. Mais ça qu'il faut te dire, ça? Parce que discours, yo. On est établi là et de là, bon, on est connecté avec téléphone, avec technologie. Vous connectez avec tout le monde, quel soit pays lié, quel soit côté lié en Haïti. Et donc, nous travaillons, hier soir, nous finissons de travailler vers 11h du soir. Et matin, en bonheur, nous avons fait le travail. Et quand nous finissons, nous allons travailler encore. Parce que si nous disons que nous avons un pays plus bon, nous avons un pays plus bon. Faut que nous pour nous balayer bon, faut que nous connaissons vraiment vrai qui ça nous gagne en bataille. Qui ça nous gagne dans sous-sol nous et puis qui ça nous cap fait pour nous joindre le développement durable que nous cherchons. L'Opestel, sont sous safe, sont en sécurité. Tout côté mien en Haïti me sentent safe. Non, l'Opestel sont notre bagaille. Oui. C'est la caillou, ensuite Pestel sont seul entrée là, c'est la mer. Mais son seul entrée, presque. Nous sentons safe Pestel, nous sentons safe Corail, Jérémy, Gonaïve, Wanamet. Tout côté, ça, nous sentons safe. Non, mais Pestel, nous sentons safe. À l'aise. C'est la cas où? Oui, c'est vrai, c'est là. Fait, c'est là, nous plus de monde, moins habitué, plus amis. Et nous comptons nous bien. Oui, nous sentons safe. Nous sentons safe tout côté en Haïti, en réalité. En bas, tout le monde pense que parce que nous avons des pressions, des armes, des bagages, fait mon peur. Là, vous voulez mettre tête pour une cause. Vous ne pouvez pas mettre tête encore. Ça arrive, arrive. Donc là, on pense que c'est le bon ça. Yeah. Guy, là, bon, dépendamment, et ça va dépendre de. Ça a peut-être une influence sur le fait que tu es un soldat, après ça, ou une formation comme si militaire, etc. Mais dans l'âme, là, on a regardé, s'il prend de près ou bien s'il suit vous, les sont militaires. Et qui influence toute étude en Amérique latine, ça, expérience, même si pas tant pile dans l'armée, même dans la police encore, yo, qui influence sur Fesso? Qui ça fait sur comme mon ouïe aujourd'hui? Bon, formation, bon, parce que après, non, et prend un coup. Yeah. Yo montre comment vous prenez un coup et puis vous levez pour camper, pour retourner encore et dans la bataille. Donc, moi, c'est ça, plus c'est. Passage en Amérique du Sud fait pour moi parce que l'entraînement est difficile et bagaille yo beaucoup pression tout gens psychologique tout gens pour résister pour graduer donc je pense que ça a aidé moi pile donc et ça c'est vous marchez à l'aise Pestel sans problème mais le gars de Pestel en lui-même c'est une zone qui t'as doué un gros ton développement qui est là-dedans. La caille au Pestel. Ouais, c'est vrai. Et l'on aller sous WAF là, l'on regarder tout ça que t'as de fait, Pestel qui pas de fait, ça va ça qu'on révolte. En pile, et après l'homme retourné là, je saisis dans qui est à Pestel. Bon, bien entendu, contre Pestel que le gouvernement a toujours puni. Il a puni Pestel justement, bah, Pestel toujours, bah, excusez-moi, Pestel toujours bah, qui pourrait belle. Comprends Daniel Fignol, les derniers qui pensaient qu'il va faire ça. Donc, Pestel, nous sommes derrière notre bataille, gros bataille, depuis Souboye. Mm-hmm. Donc, Pestel, nous toujours prend position pour Haïti, nous toujours prend des positions raides. Donc, ensemble, gouvernement, nous toujours puni nous. Et pour ça, je pense que dernièrement, Pestel, il a puni en pile pour moi. Mm-hmm. Et ceci depuis
année 2010. En pile, monde pense que Guy Philippe était proche et président Matéli ou bien était proche tel autre président, mais pourtant, et réalité est très différente. Et tout pouvoir, ça a toujours puni Pestel. Et parce que les politiques en Haïti toujours bon problème avec un autre nègre, ils pensent qui cap vient en compétiteur demain ou bien qui cap al candidat en face demain. Donc, ils ont toujours fait un genre pour peser mes pesées. Guy, c'est là que tu es pour tes sénateurs. Et qui différence tu as fait? Qui sont pensés ou t'es capoté comme différence? Premièrement, je suis sûr que le président Jovenel va mourir. Ah bon? Je pense ça. Deuxièmement, le problème de sécurité, ça va arriver là. Non seulement nous avons mis des structures, nous avons aidé le président à comprendre et forcé pour le pays à bonne sécurité. Deuxièmement, nous avons forcé tout pour gagner un bagage social qui vous fait pour les jeunes qui tomber dans la délinquance et juvénile que vous tombez. Bon, je fais campagne ensemble avec le président Jovenel et je ne peux pas dire que je suis fait campagne ensemble. Et je me remets et discours, je me remets projet, surtout électrifié tout le pays. Je pense que son bagage qui était très bon, qui était très bon. Et barrage que vous avez fait pour porter de l'eau, les paysans, pour l'agriculture, pour production nationale. Là. Oui, je pense que je suis influencé et si je suis là encore une fois, je dis il va mourir. Mais l'autre dit pas mourir. Dans quel monde nous avons quitté? Pour toutes les personnes qui sont rentrées dans le pays, toutes les personnes qui sont rentrées dans le pays, pour nous braquer. Dans quel monde nous avons fait le premier attentat complot sur le président en janvier, et puis on n'a pas fait jusqu'à ce qu'il assassiné en juillet. Non, ça va pas passer. Monde qui assassiné le président, c'est des proches présidents, il y a plein de monde qui pense ça. Eh bien, il y a tout le monde. Il va la priver. Bon, est-ce que vous pensez que sacrifier le président Jovenel là, ou même le président, ça va pour vous? Je ne sais pas que ça va priver, premièrement, je ne vais pas avoir de sécurité. Agent sécurité, c'est moi qui ai choisi ça. Je vais prendre l'agent et sécurité. Deuxièmement, si je prends une position, je prends le net et mal là-dedans. Je ne vais pas hésiter. Position, je vais prendre là-dedans, je prends là-dedans. Et je ne vais pas assurer que je suis sécurité. Je ne vais pas faire révolution, je ne vais pas changer l'État. Tout ça, le président Jovenel a dénoncé. Il ne va pas faire s'il va assurer la sécurité parce que je vais tuer quand même. Et je vais dire ça. Je vais dire ça ici à Corail. Corail qui est tout près. Je vais marcher avec moi, je dis Madame Martine Moïse. Je dis, j'ai pris un palais, au moins il y a un assassiné. Et pour l'équipe, il y a un assassiné. On t'a entendu ça? Avant, il kidnappé, moi dis. Mais ça qu'il faut te entendre ça? Parce que discours, parce que j'en ai parlé là, réforme libérale fait, sale deal libérale fait, agriculture. Ou pensez, et mafia qui a fait importation abusive du riz. C'est plus qu'un milliard de dollars, ils ont importé du riz. Le président, même Maga là, c'est même Maga là qu'on va faire face. Je vais neutraliser. Je vais garantir de neutraliser. Il y a un travail pour développer un pays d'Haïti ou bien neutralisé. Pas qu'il y a aucun monde qui a quitté. Mais c'est même bagarre là sous ta président. C'est même bagarre là pour le faire face ça. Mais c'est ça, le président Jovenel était hésitant. Le président Jovenel son nèg guidé son pèlier. Puis monsieur t'a dans paix ou bien il fait pasteur. Parce que comment vous voulez dire, on va battre un système corrompu comme ça. Comment vous voulez dire, on va battre avec des nèg qui fait des millions par semaine ou bien qui importé milliards de dollars dans du riz. 20 blackouts dans le pays. Comment vous pensez que vous allez battre avec le système ça et vous ne pouvez même contrôler la sécurité? Je dis nous bagaille. Nous faut stop Guy Philippe. Guy Philippe dit, les 10 Martine Moïse, s'il était là, ou bien les 10 Martine Moïse, Jean le président parler là et il a pas assassiné le président. Imaginez Guy Philippe dit nous s'il était là, Jovenel Patap mouri, mais ok, avec qui est-ce qu'il a parlé avec Martine Moïse? Guy Philippe Blier, Martine Moïse est dans le coup. Hey, comme si qui est-ce qui parle faire nous comprendre le contraire. Martine Moïse est dans le coup et je signe. Esdras Fizeme, nous dit ça me clair, nous camper d'elle. A comment Martine Moïse qui c'est madame Jovenel Moïse qui n'a coup pour assassiner Jovenel Moïse là, et puis Guy Philippe pensait lui-même il était capable de dévier coup ça. Désolé, et ça que me dit Guy Philippe, nous s'est perdu en feuille. Et qui moun qui allait au-delà de feuille là? Comment monsieur t'a pas l'utilisé? Qui ou est-ce que monsieur t'a pas l'utilisé pour le détourner quoi? Tout le monde qui t'a campé contre Jovenel, ou bien tout le monde qui t'a campé en faveur Jovenel, peut te empêcher plan ça exécuter. Si moun ça a été persisté, ou tout t'a pas assassiné, ou tout t'a mouru. Ou va comprendre? Yo tout t'a mouru, oui. Eh bien, posez une question aujourd'hui à la Claude Joseph. Côté position Claude Joseph. Claude Joseph qui te dit lui-même, il prêt pour le goût, mais pour Jovenel Jeune Justice. Côté Claude Joseph là.
Vous pas comprendre. Et nous capables de me poser question. Pourquoi le silence de Martine Moïse? Qu'est-ce qui explique ce silence? Ouais, depuis quelques temps, là, on va chercher Martine ou Bawel. Martine gon silence cadavérique dans le dossier Jovenel Moïse là. Un silence de cimetière. Il y a une ou deux raisons à cela. Guy Philippe pensait à lui-même seul, il était capable de dévier comme ça. On coupe sorti en l'air. Et oh, il faut. Et quand Yahweh, papa Yahweh. Et quand papa Yahweh a sorti, oui. Nous sommes pas seuls qui ont détourné comme ça. Moi, je doute très fort. Stratège que monsieur était catayé ou était caillé ou pas. Et si monsieur était persisté, même lui-même, il était qu'à mourir. Guy Philippe dit, il a continué la bataille là. Nous sommes prêts pour continuer à goûter. Et malgré la nomination de Gary Conille, malgré la nomination suivie de l'installation du conseil présidentiel, monsieur était mordicus. La mini bataille là, et la privé au bon port. Alors, on a gagné la foi, papa. Monsieur a gagné la foi, éléphant. Reprenez-moi. On a gagné la foi. Par contre, on est niveau la foi, monsieur. Pas qu'à égaler. Ouais, j'ai l'impression, si Jésus t'a parlé de Guy Philippe, il t'a dit, même en Israël, m'a jamais joué dans mon aussi grande foi. Mais si Jésus vient là en Haïti, l'a besoin de la force, oui, l'a besoin de Guy Philippe. Guy Philippe prêt pour mener bataille révolution. Pendant ce temps, moun qui était là, mesdames, messieurs, qui était arrêté Guy Philippe, yo, mais moun sa aujourd'hui la retourné au pouvoir. Mais moun sa yo au pouvoir aujourd'hui là, Camille Edouard Junior, le ministre de la Justice à cette époque, qui est aujourd'hui ou qui sera le secrétaire général de la primature. Non, la sortie déjà, même oui. Go cause, on est nous-mêmes dans boss couple là. Camille Edouard Junior, monsieur dans cabinet Gary Conille. Et Gary Conille qui était chef cabinet déjà. Madeleine Fizeme, nous dit ça clair. Gary Conille pas venir jouer. Camille on dit Gary Conille a frappé. Donc Guy Philippe monsieur dit là pas avancer. Même sous de tout ça qu'il dit là, lui même il prêt pour continuer bataille révolution. Révolution. Pape campé. Ou quoi ça, hein? Ben, nous partager ensemble avec vous une petite image de l'installation ou encore la cérémonie de la, ou encore de réception de la lettre de l'ampliation, et bien ça, et de Gary Conille. Parce que, monsieur, n'a qu'à une cérémonie qui fait, mesdames, messieurs, mais qui t'a nous dit où? Là encore, ben, ça faut que nous finançons avec lui. La question de l'État manger l'État, l'État pas entendre ni sou rien. Faut fin d'acte bagay ça. OK? La primature sorti une note, li ba rendez-vous 10 heures, li dit installation Gary Conille comme premier ministre. Après ça, on vient ba rendez-vous 1h30. Eh ben, malgré après rendez-vous 1h30 là, après note ça, le conseil présidentiel tout de suite lui-même tout sorti une note. Li dit en guise ou bien lieu et place de l'installation, ce sera plutôt une cérémonie de remise de la lettre d'ampliation. Donc, c'est ça, l'été, mesdames, messieurs. Toute suspicion que t'es gagné, toute palabre pile qui t'es gagné, est-ce que c'est installation qui s'est bagaille là, et finalement, c'était cérémonie pour remettre Gary Conille, lettre d'ampliation, côté yo li arrêté, donc officiellement, Gary Conille, après nomination, donc maintenant, officiellement, Gary Conille, c'est premier ministre haïtien. Nous invitons, vive mesdames, messieurs, en image, comment ça te yé dans Villa d'accueil là, côté Gary Conille, t'as pour recevoir l'aide d'ampliation qui fait de lui-même le nouveau premier ministre haïtien. En suivant ça. Le conseil présidentiel de transition reçoit ce lundi 3 mai 2024 le docteur Gary Conille pour lui transmettre une ampliation de l'arrêté le nommant premier ministre. Cet acte l'habilite à initier le processus de formation du gouvernement en accord et en concertation avec le conseil présidentiel. Cet acte intervient dans un moment particulièrement difficile. Le pays vit dans une crise multidimensionnelle. Il importe donc aux forces vives de la nation, et particulièrement aux acteurs politiques, de travailler dans la concertation, dans le consensus,
dans l'harmonie, de manière à réussir cette transition. Nous comptons sur le docteur Kony pour mettre en place les politiques qui conviennent avec le Conseil présidentiel de manière à adresser particulièrement le problème de l'insécurité et également redresser l'économie du pays, réformer les institutions et arriver aux élections crédibles, démocratiques, libres à la fin de 2025, de manière à ce que le mandat de la transition qui se termine le 7 février 2027 soit rempli. Nous souhaitons donc au Conseil présidentiel et au Premier ministre Garry Conille succès. Monsieur le Président, si vous permettez, malgré la solennité du moment, je vais dévier du protocole et vous parler directement du cœur. M'apprécie en pile que de moi contre tout à l'heure, premier soir, dis-moi, c'est qu'il y a urgence. Premier ça conseil, là, dis-moi, c'est qu'il faut aller très vite. Première instruction, tout le conseil, c'est que nous gagnons temps pour nous perdre. M'apprécie en pile convivialité que nous joignons dans le premier moment, ça, nous sommes déjeuner ensemble, qui montrent que nous traversons un moment-là qui est assez intéressant pour la population haïtienne. Au moment côté, j'en ai dit la dernière fois, des groupes politiques arrivent et mettent différents de côté dans un moment où ils comprennent que l'intérêt supérieur de la nation l'exige. Moi, excessivement fier de faire partie du groupe ça. Et maintenant, à ce que nous allons collaborer ensemble dans l'intérêt de notre pays, comme on se l'a dit tout à l'heure. Les amis, nous avons une illusion sur la difficulté capitale. Nous avons une illusion sur le fait que la bagarre n'est pas facile. Attendons-nous à ce que des moments que nous ne pouvons pas entendre nous sur certains points. Mais avec conversation que j'ai eu moi-même depuis plusieurs semaines, qui se concrétisent à l'heure, moi qui a déjà une assurance que le momentum que j'ai eu, disposition que j'ai eu, état d'esprit que j'ai eu, dans mes temps conseil là, avec nous-mêmes, excessivement encourageant. Ok, ou t'as suivi, mesdames, messieurs, et cérémonie ça, ou bien yon résumé et de quelques images dans cérémonie, hein, et puis yon bout également dans discours Garry Conille, qui, encore une fois, a montré détermination, volonté li genye pour le permettre à ce que Haïti rale yon ouf. Est-ce que monsieur Gemaye Anamel? Est-ce que monsieur li gen levier Anamel? John Steve Bruin a acheté chanté. Dim qui est qui kon chimé, qui ka mené nous. Est-ce que Garry Conille, Garry Conille, est-ce que monsieur kon chimé? Est-ce que monsieur gen flamboa? Est-ce que monsieur ka dirige nous au bon port? Est-ce que monsieur ka mené nous à destination? Est-ce que Garry Conille, est-ce que monsieur ka mené nous exactement à destination? Côté nous voulons aller, côté nous ta remé rivé, est-ce que monsieur gen capacité? Est-ce que monsieur gen étoffe assez? Pour le mener nous. Là, nous connaissons à terre à piéger. Là, nous connaissons, on dit, toute divergence, toute diversité qui est là, dans la scène politique là, côté Goban Mungi là, qui est dans le conseil là, c'est l'argent qui vient de faire, il n'y a pas de pays. Si en 2012, Garry Conille était barré par un certain Joseph Michel Martelly, eh bien, en 2024, 12 ans après, monsieur est censé avoir une marge de manœuvre dans le même pour fonctionner. En 2012, monsieur pas de mettre de tête li. Mais je dis là, monsieur gagne plus levier dans mel, monsieur gagne plus marge de manœuvre, n'a pas de résultat. Nous devons avoir un résultat. Sinon, Haïti capable d'effondrer. Et c'est ça qu'il faut me dire. Conseil présidentiel ça, soit qu'a fait là, transition ça, mesdames, messieurs, c'est peut-être dernière ligne droite là, c'est peut-être dernière chance que nous gagnons. Si nous pas réaliser un yé là, nous mettre fouillé en tout, nous entrer tête nous. Parce que nous sommes cas perdu. Ok? Si vous avez quitté l'occasion, ça, allez dans mes nous. Nous m'avons dit, c'est fini. Nous n'avons aucune possibilité pour nous relever tête nous en bas de l'eau. Situation compliquée. Donc, nous souhaitons bonne chance à Garry Conille, à son équipe, parce que nous avons commencé à monter cabinet. Nous commençons à mettre les gens dans le gouvernement. Donc, Napton, mesdames, messieurs, parce que le résultat escompté, c'est lui-même Napton. Parce que nous-mêmes, nous avons un pays de rechange. C'est là, nous y est.
Donc nous avons toujours souhaité pour que le pays nous change, pour que le pays nous avance. Parce que je nous dis là, nous avons un pays de rechange. Donc, moun ki pa ka passer Mortissant, moun ki pa ka passer Canaan, moun ki pa ka passer non série de zones, assurément, c'est ton yap ton ki résultat kap tombe. Diaspora ki rete cloîtré à l'international là. Yo ta remé rentrer dans pays yo. Yo ta remé vin bay bourad, yo ta remé vin bay bakop. Mais comment yo pral fè? Jean pays a lui-même, li ganglé là avec un chef de la police fantôme qui pa brèglé. Au contraire qui met tête ensemble avec bandi yo pour déstabiliser pays ya. N'abtonne résultat. Et nous, certainement, mesdames, messieurs, espérer résultat eux-mêmes, yo abrivé. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Nous sommes contents ensemble avec vous. Nous sommes contents de partager avec vous mon sou réflexion. On t'y mousso, le bâton pile, on t'y l'ancienne débat. Nous sommes croisés prochainement. Et nous invitons, mesdames, messieurs, ou même qui t'a fait ensemble avec nous, qui vient jusque-là. Donc, vous t'es joué un intérêt pour te rester connecté ensemble avec nous. Nous vous merci. Et nous invitons, activez cloche notification, qui donc, abonnez. Pas hésiter à faire ça, pas aller, son pas quitter en point, son pas quitter Marcou. N'a pas salué tout fanatique, tout zami, qui toujours été fidèle à Chanel Haïti Réflexion en dépit de tout malgré tout. Ok? Restez connectés ensemble avec nous. Partagez, likez, commentez, c'est ça qui permet de toujours être connecté à tout ça qui a passé. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. N'a pas croisé prochainement pour une autre vidéo.